Chers Bibtubeurs, bonjour. Isabelle, bibliothécaire à la médiathèque départementale du Cher, va nous faire partager son coup de cœur pour une bande dessinée lumineuse et légère. Moi, je vais vous parler de mon grand coup de cœur, cette BD de Catherine Meurice, Les grands espaces. On connaît Catherine Meurice, en 2016, elle a fait paraître une BD qui s'appelle La légèreté, qui était bouleversante parce qu'elle racontait la reconstruction après les attentats, puisqu'on sait que Catherine Meurice a échappé aux attentats de Charlie Hebdo en 2015. C'est une BD qu'on n'oublie pas et on est impatient de retrouver celle qui suit, Les grands espaces, donc, qui parle beaucoup plus de légèreté, en l'occurrence. Cette BD-là. C'est l'histoire de Catherine Meurice, en fait, qui se met à nouveau en scène et qui raconte la décision de ses parents, quand elle avait 6-7 ans, de tout plaquer pour aller vivre à la campagne, dans le Poitou, au milieu de rien, des champs, dans les années 80, au moment où on parle des conséquences du remembrement, des pesticides qui dénaturent l'environnement. D'une enfant qui découvre tout ça en même temps, la bulle de l'enfance avec des parents attentifs et ouverts à tout ce qui est la poésie que de la nature, voilà, pas seulement le jardinage et la taille des arbres. Donc ses parents vont les emmener dans des musées, voilà, ils vont découvrir l'art à travers donc, des représentations au Louvre, la représentation de la nature par des artistes. Et c'est ce qui va, elle, la marquer profondément, c'est comment d'autres voient, elle voit ce que voient les autres, en fait, à travers le regard des autres. Elle a une représentation de la nature. Ça, c'est super intéressant. C'est militant sans l'être trop. On n'est pas dans le dessin de presse, du coup, on est dans le récit, dans le souvenir. Beaucoup, beaucoup de citations liées à la littérature. On sait l'attachement de Catherine Meurice pour la littérature. Alors, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le dessin accrocheur, de l'humour visuel, pas seulement avec ce qui est raconté. Mais donc déjà, pour moi, c'est accrocheur, les expressions sont trop drôles. Là, juste pour expliquer la chaleur de la pierre après une journée ensoleillée, je trouve ça trop marrant. Et la typographie aussi, qui est comme l'écriture d'un carnet intime, un peu, je trouve, voilà. La vivacité, la fraîcheur aussi des planches. Mais aussi, là, on prend notre temps, on prend de la place, le dessin se déploie sur la page. Et... qui est un renvoi direct au tableau qu'elle découvre au Louvre, de représentation de paysage, pour voilà, prendre son temps et faire, à la manière d'un peintre, sur deux planches, se représenter là, au milieu de l'immensité des arbres et de la nature, qui sont une source d'inspiration qu'elle va garder tout au long de sa vie, en fait. Ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est non seulement le récit, et ce qu'il en reste après. C'est une BD qui reste longtemps dans la tête, les images, c'est un renvoi... à cette espèce de... un peu de paradis perdu quand même, qui est l'enfance, mais en même temps qu'on peut retrouver en allant comme ça, tirer le fil d'une pelote et puis petit à petit faire remonter les souvenirs. Et c'est ce qu'elle nous dit à chaque page, que d'être en vie c'est une chance, que la nature, les arbres, l'éternité en fait qui nous insuffle en fait, cette espèce de sécurité qu'elle cherche auprès de la nature, c'est une recherche de vérité qui forcément nous parle et qui nous touche.